Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom sur nouvel épisode de Robocraft, un épisode spécial, un épisode construction, chers amis. Hop, c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, ah mince, 4, 5, 6. Alors, maintenant j'aimerais que tu te soulèves. Le pouvoir de la force te soulève. Oh. Bon, mouvement. Méga... Ah, ils ont les méga aussi, cool. Ça peut être intéressant à l'avenir. Je voudrais juste vérifier un truc au niveau des méga. Un méga module permet d'avoir combien de flops? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Combien de flops il y aurait au maximum? Enfin bon. Pour l'instant, ce n'est pas au programme. On n'a pas suffisamment d'équipement. Alors. Et... Vous êtes trop proches l'une de l'autre, c'est ça? Ok. Là, c'est mieux, apparemment. J'aurais bien aimé que tu me mettes les deux, cependant. Merci. Ok, donc on a donc des jambes. Comme toujours, moi, personnellement, c'est dans ma nature, j'entoure les jambes. Cependant, j'aimerais faire un test sur, enfin, avec quelque chose. Donc autant ne pas les prendre à trop cher. Ce serait pas plus mal pour faire le test. Hop. C'est histoire de faire le test, hein, chers amis. C'est juste histoire de faire le test. Quelle taille elles prennent? Alors d'accord, il faudra déjà que je commence par... Donc entre guillemets, si je devais les mettre comme ça. Hop. Est-ce que ça passerait? Là, de ce côté-là, non. Non plus. Donc, encore une case, c'est ça? Merde. Faut que je pense à aller voir dans les petites. Hop. Là, ça passerait. D'accord. Ok, bon à savoir. Bon à savoir, chers amis, bon à savoir. Hop, du coup je vais en prendre deux. Hop. Ok. On va essayer de se faire un vrai robot classique, enfin efficace quoi. Quoique je peux les laisser, c'est pas grave. Hop. Pour l'arrière, normalement, techniquement, on se fera pas attaquer par l'arrière. Bon, maintenant. J'aimerais avoir 3 au milieu, minimum. C'est le minimum syndical. Ok. Ensuite. Principe, je recouvrirai les trois. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, hop, par principe aussi encore une fois. J'ai envie de les mettre. Est-ce que je peux y placer quelque chose comme cube ? Tant que ça protège un petit peu le truc, je pense que ça sera suffisant. Hein. Là, je peux rien y placer, c'est bien dommage. Mais ça me semble logique. Ok. Ok, et ici, est-ce que je peux y placer par exemple ceci? Pas du tout. Comme ça, donc c'est très très laid. Et comme ça non plus, je ne peux pas. D'accord, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, ici, on va changer ça un petit peu, mais tout à l'heure. Hop, tout à l'heure. J'aimerais garder un peu sur le principe du dernier robot, pardon. Le principe de colonne vertébrale dans le dos. Je trouvais que ça avait peut-être qu'un aspect...
un aspect esthétique, mais je trouvais que c'était stylé, donc écoutez. Moi je réitère l'expérience, comme on dit. Cependant, il faudrait peut-être que je revoie ma copie, voilà. Avec une espèce de colonne, entre guillemets. Hein. Alors, ne pas la faire sur un seul cube, ce serait une erreur. Hop, voilà. C'est comme ça que je vais la faire. Je préfère avoir un robot solide. Hein. Soyons honnêtes. Ok. Voilà. Ok. Alors de celle-là, on verra. Celle-là, on verra. Hop. Crac. Maintenant. Toujours côté esthétique. Ici aussi, côté... non, pas ici. Comment que je vais le faire ici? Comme ça. Hop. Non, là ça me va pas. Hop, ça ne me va pas. Et voilà, cette fois ça crée un angle, c'est mieux. Je trouve ça mieux. Comment je vais réaliser cet angle-là par contre? Si je place un cube comme ça, est-ce que c'est mieux? Pas. Bah, ce sera peut-être mieux, oui, effectivement. Hop. Voilà. Voilà. Et là, normalement, je peux placer un cube de ce genre. Parfait. Hop, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ça, je suis pas convaincu. Voilà, je trouve ça mieux. Ok. Voilà, pourquoi pas. Hop, est-ce que normalement, si je compte bien, ça passe? Oui, ça passe. Hop. Ok. On est toujours centré par rapport aux jambes, oui, parfait. Ok. Vous savez quoi, on va peut-être même modifier ça. Peut-être fait un petit peu trop vite. D'abord, j'aurai besoin d'un gabarit. Hop. Ah, ça me repousse, c'est chiant. Ok. Voilà donc mon gabarit. Pourquoi pas. Ok, maintenant.
J'ai bien fait de faire un gabarit. Parce qu'on risque d'en chier. Comment je peux organiser ça? Oh, si, je sais. Je sais. Maintenant, faut que je vois sur combien de cubes ça se passe. Hop. Hop. Un instant. Hop, voilà. Hop. Ok, merci. En plus, ça va le solidifier. C'est vraiment parfait ce que j'ai comme idée là. Maintenant, faut voir si ça peut fonctionner. Parce que j'ai peur qu'en mettant autant de poids à l'arrière, ça penche un petit peu. Qui tombe comme une pierre un petit peu, c'est vrai. Hein. C'est à ça que j'ai pensé au premier. En premier lieu, pardon. Et du coup, comme on le repousse en arrière, j'ai bien envie de voir... Oh, blah. Voilà. Je vais repousser comme ça un instant. On va bien voir si je peux le rapprocher, vu que si je le pousse en arrière. Oui, je peux le rapprocher si je le pousse en arrière. J'aime beaucoup le rapprocher. Ce qui serait, à mon avis, assez pratique. J'ai envie de voir jusqu'à quel point je peux le rapprocher. Jusqu'à ce point-là. Ce point-là qui, à tous les coups, mène pile en face, j'imagine. Ah non, tiens, ça mène pas... Ok. Bon à savoir. Bon à savoir. Donc, techniquement... Je pense pouvoir dire sans me tromper que je peux placer un short rod. Exact. Bon, je ne peux pas en placer un ici. Non, ça me semble, ça me fait pas solide en fait. Je suis désolé, ça ne fait pas solide. Par contre, peut-être qu'au-delà des 3, je peux placer un truc. Hop, on efface tout ça. Oh, ça me plaît déjà un peu plus. Ok. Donc, pour l'arrière, j'obtiens plus ou moins ce que je voulais. Bon, je voulais pas obtenir un truc dans ce genre-là au départ, mais ça sera comme ça. Et donc, du coup, 1, 2, 3. Voilà. On se basait là-dessus. Donc... La forme que je voulais obtenir. Hop. Est-ce que ça va passer? Ça devrait le faire. Mais bon, j'obtiendrai pas la forme exacte, hein, chers amis, hein, malheureusement. Si il y a tout pété, j'aurais presque plus de chances de l'obtenir en faisant des trucs comme ça. Mince. Hop. Même pas. Même pas. Bon, bah écoutez. Hop.
Et là, vous me demandez, mais qu'est-ce qui branle? Bah, j'ai bien envie de tester un truc, chers amis, c'est d'avoir... pas un... mais bien... deux rhinos. Vu qu'un rhino n'est pas suffisant. Hop. On va essayer avec deux. Ah, apparemment j'ai un rhino qui a disparu. Ah oui, il est là. C'est vrai, je l'avais oublié ce rhino là. Toi aussi, il va falloir que je te modifie parce que t'es pas efficace. Par contre, je me rappelle pas avoir mis du bleu sur toi. C'est une couleur qui aurait bien changé, ça, chers amis, encore. Mais enfin bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Le double rhino. Qui petit à petit... en forme. Si j'arrive à le caler comme il faut. Je crois que c'est ça, mais je suis pas assez loin. Et j'étais pas en... Alors oui, alors j'en profite, vu qu'on fait de la construction. La touche X intègre une ligne de symétrie. 1 et 2, comme vous pouvez voir en bas, permettent de changer le type de module, enfin le type d'équipement que vous avez en main. Hop. Là, je pourrais même faire tout en symétrique si je voulais. Hein. Mais je n'ai pas d'intérêt à le faire. À part un léger gain de temps à tout péter, mais c'est pas. Je suis pas là pour faire la course. Ah, c'était là. Hop. Parfait. En plus, ça me permet de voir lesquels il me manque, ce qui est pratique. Ok. Il n'y a pas 10 minutes, je crois que j'ai dit... si, peut-être 10 minutes un petit peu maintenant. Je crois que j'ai dit que je voulais faire un robot qui serait avant tout tanky, mais là, je crois que ça part en sucette, hein, cette histoire. Et de une... Go go Power Rangers. Moi ça me fait penser à ça, hein. Ça sérieusement, je pense pas que je pouvais trouver mieux là comme principe. Hein. Sauf qu'on a jamais eu deux fois le même ordre en fait, je crois. Quoique. Non, je suis en train d'y réfléchir, sérieusement en plus. Mais ça me dit rien. À part peut-être dans un OAV de la version japonaise et encore. Ok. C'est presque pas moche de le voir en fait, le truc. C'est marrant, mais ça me plairait. Par contre, faut vraiment que je pense à mettre le. Alors, il y a une raison pour laquelle j'ai laissé le cube derrière. Hein. Des cubes derrière. Je vous expliquerai. N'inquiétez pas. C'est prévu. Ok. J'ai les cornes qui me rentrent dans les fesses, littéralement. Hein. Hop. Marchera pas.
Ok. Niveau protection, on va commencer à en perdre là, je pense, hein. Mouvement. Non. Hop, ici plutôt, oui. Ok, bon, bah, de ce côté-là, déjà, c'est moins bon. Apparemment, c'était de l'autre côté aussi. Blah, je vais pas y arriver. Fait peut-être un petit peu beaucoup, là, non? Tout ça pour une couverture sur les côtés. Je doute que ça soit utile, mais... Oui, bon, bah, écoute. J'avais pas mis des cubes, là, avant? On est d'accord, il y avait bien un cube là avant. Il y avait bien un cube là avant. Oh, les bugs de Robocraft. Gah. Spécial cosmétique. Rends-moi mes oreilles, s'il te plaît. Merci. Alors. C'est vraiment immaculé de blanc. Hein. Alors là, en fait, je ne savais pas trop si je devais mettre ou non de l'hélium pour l'alléger. On verra bien. Maintenant, advienne que pourra. Ok. Dommage, ça aurait presque été sympa. Est-ce que je peux le faire comme ça? Non, ça passera pas. Ça ne passera pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Le fameux ça. C'est marrant, il me fait penser à un vrai robot en fait. C'est con à dire, mais c'est vrai. Hop. Voilà. Crac. Bon bah niveau protection, c'est bien amélioré, je pense. Hein. Bon maintenant, on va passer à l'attraction principale. Est-ce qu'on a encore suffisamment de CPU? Oui, normalement oui. Hardware. Hop. Et donc normalement, ça touche le haut. Ouais! Trop la classe! Hop. Même je pourrais presque... J'aurais presque dû d'ailleurs même. C'est pas pareil, c'est que j'aurais presque dû. Mais là, ça va être plus dangereux qu'autre chose. Là, qu'est-ce que je pourrais mettre? Oh, ça pourrait être intéressant ça aussi. Ah non, elle part trop loin. Une caisse trop loin. Est-ce que ça passe comme ça? Oh, ça passe. Histoire de faire quelque chose. Hop, voilà. En plus, c'est pas hyper méga vulgaire. J'ai plusieurs points. Et par exemple, ici, je pourrais rajouter... hop. Là, ça passera pas les longues. Hop, voilà. Crac. Bon, ça donne quoi, cette histoire? Bah, ça donne un robot extrêmement laid. Bah voilà. Voilà ce qu'on cherchait, chers amis. Ah d'accord. En fait, le gris, c'est du violet. Et en noir, ça donnerait comment? Ça donnerait badass, mais c'est pas ce que je recherche.
Mais est-ce que c'est un reflet ou... Parce qu'en beige ça va être moche, oui clairement. Le hold carbone, on en a plus. La couleur carbone d'origine. Hop. Ok. Je pourrais presque, par contre là, c'est rajouter un ou deux cubes. Voilà, merci. Voilà, par souci de protection maximale, entre guillemets. Alors, est-ce qu'il me reste de quoi rajouter un petit peu de protection sur le haut? Parce que du coup, en fait, là, on n'est pas du tout protégé contre les bombardements. Et donc, tant qu'à faire, je préférerais encore les mettre sur les armes. Et je peux pas en mettre sur les deux. Haha ! Violence ! Je vais me faire violence. Ouais, ça pue, ça. Bon, ça, j'aurais bien aimé que ça passe, mais ça passera pas. Ça, forcément, non plus, ça ne passera pas. Pas le moindre. Hop, est-ce que je peux récupérer un L, s'il vous plaît? Merci. Peut-être deux comme ça aussi, s'il vous plaît, merci. Hop. Si ceux-là passent, ce serait parfait, même s'ils sont peut-être un petit peu trop gros. Il n'y en a qu'un seul qui passe. Donc on va essayer les petits. Une dernière fois. Last chance. Ça passe. Ça passe, ça passe. Parfait. Parfait, parfait. Hop, ben on va reprendre la couleur. On avait réclamé. Et hop. Crac, crac. Je viens de voir qu'en fait il y a une couleur qui passait au travers. Hop, parfait. Ok. Oh tiens, on en avait loupé. Crac. Voilà. Voilà, voilà. Bon, il est un peu moche, mais écoutez, c'est comme ça. Bon, bah, on va le tester donc dans le prochain épisode, les amis. Bon, bah voilà, on a un robot qu'on va l'appeler double dino. Hein. Enfin, double rhino. Double rhino. Voilà. Donc voilà, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode de construction. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, d'en faire trop lien dans la merde de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.